Colonel Kambili Songa wa Mama Bibisha, merci beaucoup kwa Docteur Munene Belge Wandani alias. Donc parmi ma docteur wale leo wanafaa fierté ya matunzo muvila Lubumbashi. Voilà, hapa tunaanza kuchunga ni arrivé ya bakacheri vengine batu bote mustadi fwa Yesu sala mkatuba ituru tuneza kusema ni réussite ngara plein vile bantu wanesha kuripanga mufale au plein, les gens sont là. Ils aiment le catch, il n'y a pas de désordre dans le catch. Les fanatiques se mettent ensemble, qu'ils soient d'un camp ou d'un autre. Ils sont ensemble, c'est pas dans le football, là où il y a de la bagarre. Tout ça parce que c'est la joie. Ici c'est la fête, ici c'est l'enthousiasme, Steve Mandanda. Oui, mesdames et messieurs, voici pour vous. J'ai donné Pambu, chaise électrique, du club Kapata, de la SNCC, le club... de mettre les drichocs. Il s'appelle Djedone Pambu. Oui, oui, Djedone Pambu. Chaise, oui, oui. Chaise électrique. Pambu, si c'est Badianga, quelque chose comme ça. Oui. Pambu Badianga. Il est du club Kapata, de monsieur les drichocs, qui est son mentor. Djedone chaise électrique, attend Samara. Oui. Samara, qui est un cachot du Kassai. Hein, ça c'est un combat équilibré, mon falme. Oui, ils sont ça tous wolo, wolo. Donc ici, il n'y a pas moyen de pronostiquer. Il n'y a pas moyen de pronostiquer. Voici les catcheurs du club Kapata en train d'accompagner les leurs. Il s'appelle Samara, l'homme de Mbujimaï. Il est le champion de Mbujimaï. Il va saluer le public. Wolo. Samara. Voilà, il a plusieurs fans ici. Oui, ouais, il y a plusieurs fans. Et il doit d'abord se lancer. Ça me rappelle Fantomas au Tiaboulongo. Oui, c'est l'ami de Fantomas. Oui. Ils ont fait des passations de catch ensemble. Et donc, c'est la danse de Fantomas. Voilà, Fantomas qui a déjà tiré sa révérence. Son ami est là, il s'appelle Samara. Samara Olo. Samara Olo qui est en train de changer avec tous les fanatiques. Et Diédoré, chaise électrique, l'attend impatiemment, Falme. Il attend impatiemment, chaise électrique, maître chaise du club Kapata. Un bon catcheur bien battu. Il s'entraîne dans deux salles, salle de musculation et salle d'entraînement. C'est aussi un technicien ensemble avec le capitaine Bilino. Là, nous voyons nos amis qui passent souvent devant la caméra avec, avec des polos jaunes. Comment ça s'appelle le français ? Les stars, c'est un milieu apolitique. Je demande d'ailleurs aux autorités de prendre des dispositions. Dispositions pour maîtriser ces gens. Oui, parce oui. Qu'à l'époque, la garde républicaine avait fait quelque chose. Oui. Il y avait de la discipline. Fiston, je vais super nous aider à prendre un peu. Oui. Les autorités doivent prendre des dispositions pour oui. Les gens en polo jaune. Oui, oui. On en a assez. Oui, oui. Mais les gens, ils vivent les choses des gens. Oui. Comme si ils deviennent l'État congolais, ces gens. Voilà. Je pense qu'à l'époque. Le message est passé. Le message est passé. Oui. Je pense que les autorités vont faire quelque chose. Et même la garde républicaine va assurer. Voilà. Nul n'est au-dessus de l'État Mfalbe. C'est ça. Je pense que le message est passé. Nous retournons les dans gens la oui, nous retournons dans le ring. Cette fois-ci, c'est chaise électrique qui attend impatiemment Samara Olo. Enfin, mais ça, c'est un combat très difficile, Steve Mandanda. Un combat très, très, très difficile. Le grand professeur, bienvenue Kamunga. Chaise électrique à Kumbele et Olo Samala. Salutations des catcheurs, Vanapimana Bote. Chaise électrique à Rechagouyala. Banabamba Olo, Banasusa Mugola. Kabaji Mukilari. Twanga et Kapiri. Oh, Banabamba Tena Olo. Projection. Banakanyanga Mukilari, Tekiniki Kunendale. Moufane. Ça continue comme ça avec chaise électrique, je vous avais dit. C'est un bon catcheur. Il est face aussi à un bon Olo Samara de Mbujimaï. Un combat équilibré, un combat technique, un bon combat pour cette soirée. On a regardé que Bajika va la couper à Pampo, parce que ça dame, il n'a pas de roue, il n'a pas de la gangine. Oh là, si à comprendre jusque-là, si à te retrouver, chaise électrique à la Mouchima Michel Oyolo. À la Bamba, oh là, la Nyangula. Non, on a la Katala, la Semano. Stadio Tenanja Kulamuka. Stadio Kulamuka, oh là, la Katala Kwenda.
Bolwana Jamba Balabamba. Non, Aïbambe, bienvenue Kamunga. Oui, ça n'a pas bien fonctionné, mais Samara, il est quand même en difficulté. Hein, regardez comment Chaise Électrique, il est très à l'aise hein, sur le ring. Hein. Très posé. Il n'est pas agité. Il commence d'abord par mener Samara parce que jusque-là, c'est Chaise Électrique qui assure. Hein. Il fait des gestes très bons sur le ring. Attention, attention avec ce geste-là. Hein. Oui, c'est pas bon pour la santé. Ce sont des parties sensibles. Alors, Samara, apparemment, il a un deuxième souffle. Samara, non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas toujours. Eh, Chaise Électrique, 1, 2, et 3. Ah, c'est quoi ça? Ah, il a éliminé Chaise Électrique. Hein? C'est vraiment une humiliation ça. Il n'y a même pas eu beaucoup de holo comme d'habitude. Hein. Même pas beaucoup de holo. Même pas beaucoup de holo les grands. Ngaria, Ngara, on le voit en pep. Ngara, on le voit en pep. Les polos jaunes. Les polos jaunes. Je ne sais pas si les autorités ont peur de ce genre. Ah. C'est quoi ça? Les autorités ne peuvent pas avoir peur de ce genre. Oui, mais pourquoi ils se comportent comme ça? Non, c'est comme ça, ce sont des déréglés. C'est comme ça. Ce sont des déréglés. Chaise Électrique n'arrive pas à comprendre sa défaite. Chaise Électrique. Qui ne comprend pas comment il a perdu ses combats. Il ne comprend pas. La victoire est confirmée par l'international Bamayo, l'homme du tourisme de la commune Kampemba. Mais ce n'est pas possible. Il le regrette. Monsieur Pambou. Badiang a déjà donné. Chaise Électrique qui est parti. Il est même fâché. Oui. Et Olo va s'exprimer. Mais ces gens ici vont nous embêter sincèrement. Oh, parce que. Comprenez si. Oui, les grands professeurs. Voilà, bon, allez, on a quoi la syndicise Olo. Mon désordre, moi, total. Maintenant, on a comprendre Njovili. Regardez ça. Samara, où es-tu, journaliste? Kadi, on est beaucoup ma biche, moi, bah, au tribun, à tout le monde, à nous technique. Mbalukai. Bon, n'engambila, balabe, tu bons, babaluba, bana bakumbushimai, kuchimeng, kuabenda, kuabafuachiba, to. N'engamba nungwem. Bantaba mbaja bukulabu wa Zambi. Memema ni mujabu wa matal. Kwa kukanya makasesi. Bariba naba leze wani mbanen. Memune na munda mwikala ni muu ya. Mutu sege ni muje talobu mbe. Mwako bisha adversari weba walelu. Mbo, adversari wanyo walelu. Sege, eo Zambi, munsamba ni muntu ntuta. Mwaka jane kumbe lwa. Kumbu ni mututa lelu. Merci wabuni. Pasa kejilo wabuni. Attends, regarde, nous devons ensemble tout le temps. Quand on est ensemble, on monte mon gros abuto. Tête bas, ta bouche fouille, ne fais que bander ma tête. Bien joué, bien joué. Il faut que nous nous tirions pour voir une casse. On est mané contre tout le temps, tout le monde voit contre tout le temps. Ah, Mfalme, cette fois-ci, nous sommes en train d'attendre Moana Mama et Moana Lunga. Oui. Moana. Les garçons les plus beaux, hein. Oui, oui. Il est beau, ce gars. Oui, oui. Après la défaite. Bienvenue, Kabuka. D'ici, on coupait ses balles à la tête. On donnait ça à une femme et va se retrouver. Oui, ça va bien fonctionner. Ça sera une très jolie femme.
Et on attend Mwana Mama. Et face à Mwana Lunga. Et le combat suivant, c'est Jibik contre Marteau avec Amichake. Oui. Et on finit, c'est Sherif contre Postolo. Jibik et Marteau, là c'est un combat de gladiateurs. Hein. Un combat. Oui, j'ai vu qu'il y a Marteau bien qui a Bichaké. Or, j'ai vu qu'il n'y a pas la fiche à Moïse. Or, c'est pendant que Marteau est bien qui a Bichaké. A tous les cas, Maléo vient qui bat à Moïse. Si tu sais bien, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont fiché à Moïse. Tout ce que tu as fait, c'est un combat bien sain. Surtout que Marteau, on a fait un cher monnaie en gouffre. Là, il est fort sur le terrain.